Yo. Alors cette nuit, j'ai rêvé que je vivais en Suisse. Enfin, en tout cas, c'était une ville. Enfin, c'était super grand, vaste, épuré, très organisé, très rangé, tout ça, et spacieux. Et donc, je vivais là avec. Il y avait beaucoup de monde qui vivait là aussi. Et il y avait Von Bicrave qui était mon voisin. Et en fait, un soir, du coup, je demandais à mes meilleures copines, Lulu et Irina, ce qu'elles faisaient le soir. Il n'y avait pas Lily. Et elles me répondaient. Elles me répondaient pas. Et du coup, je pensais que chacun restait chez soi le soir. Et puis, moi, je restais à la maison. Et dans la nuit, je recevais des snaps. Et du coup, je regardais. Et genre, c'était Lulu qui était super défoncée. Et derrière elle, il y avait Irina qui faisait l'amour avec. Mon petit copain qui. Enfin, c'était dans mon rêve, c'était mon copain, alors que j'ai pas vraiment de copain. Et du coup, j'étais super triste et je savais pas trop quoi faire. Après, je devais aller faire du jardinage parce que le gardien de mon immeuble me l'avait demandé. Et du coup, j'allais faire mon jardinage et puis je réfléchissais en ratissant la terre, et puis je me disais que c'était pas gentil et que enfin, si elle avait encore fait ça, c'est que c'était pas mon amie, et du coup, je me disais que j'allais la ghoster vraiment. Et donc, du coup, j'ai décidé de l'unfollow sur Instagram et de la bloquer sur Facebook et de bloquer son numéro et juste Irina parce qu'elle avait fait ça. Et en même temps, ça me rendait trop triste. Et j'avais l'impression que j'avais pas trop le choix. Mais c'était plus pour sauver mon honneur dans le rêve. Et ensuite, il y avait, quand j'étais en train de ratisser la terre, il y avait mon petit copain du rêve qui arrivait. Et du coup, je pétais un câble et je pleurais, je criais et je faisais n'importe quoi. Et il partait. Et puis, je recommençais à ratisser la terre. Et puis il y a Lulu qui m'appelait et du coup je voulais pas répondre parce que j'étais triste et que j'étais en train de pleurer. Et que tant pis. Et après Lulu elle vient me voir en train de ratisser et puis elle me dit oui mais tu sais on était bourrés et tout. Et j'ai dit oui mais enfin c'était bizarre parce que enfin je vous avais demandé si vous pouvez se voir et puis vous êtes vu sans moi. Et moi je trouve ça très étrange et du coup je préfère plus qu'on soit amis. Parce que vous m'avez fait du mal. Et puis après, Lulu, elle m'envoyait des trucs sur les réseaux sociaux, genre reviens, faut qu'on fasse la fête et tout. Et puis un soir, donc j'allais à une soirée avec quelqu'un d'autre, je sais plus qui c'était. Et du coup, il y avait Irina qui m'ignorait totalement et faisait la meuf trop belle, trop fraîche, trop. Moi, j'ai rien à me reprocher de toute façon et ça me faisait grave du mal. Et voilà. Les autres.